Ce mardi 24 janvier, Pôle emploi de Saint-Dizier a organisé un job dating dans la salle du Palace pour les boîtes d'intérim. Cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis 2019 a réuni une centaine de personnes toutes invitées pour rencontrer les différentes agences. L'idée, c'est de donner une visibilité sur ce que peuvent proposer nos 9 agences intérim sur le territoire pour faire en sorte que les publics qui ne connaissent pas ou qui n'auraient pas pensé donc, à consulter les agences intérim pour leur retour à l'emploi puissent savoir qu'il y a des agences sur notre territoire, sur notre ville de Saint-Dizier, où ils peuvent passer la porte et aller effectivement pouvoir postuler à des offres d'emploi. Chaque conseiller a convoqué les demandeurs d'emploi à venir prendre contact avec les agences. Ça leur permet en une journée, en une matinée, de faire tout le tour des agences de travail temporaire au lieu d'aller, d'aller dans Saint-Dizier, aller s'inscrire dans chaque agence. Là, elles peuvent vraiment, en une seule fois, faire le tour de toutes les agences. Depuis la pandémie, les boîtes d'intérim ont de moins en moins de succès et se retrouvent en manque de candidats. Les 9 agences situées dans le secteur du Triangle étaient présentes pour faire un premier pas avec les demandeurs. On a pas mal de personnes qu'on n'a pas reçues en agence, qui ont des profils très intéressants. Et du coup, on peut transmettre leur candidature directement aux entreprises et on a des retours positifs des entreprises. Cette action complète déjà celle menée au sein de Pôle emploi, qui organise mes événements emploi. Ce dernier invite tous les 15 jours une agence d'intérim à venir en agence.